Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena Fr, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien puisque, étant fan de films de requins tous les deux, on est régalé de la vidéo d'aujourd'hui, The Meg 3. Eh oui. Parce que The Meg 3, pour ceux qui ont vu The Meg 1 ou 2, les requins, les plus gros dangers sont situés très très en dessous, au niveau de la surface, très profond. Ah oui. Un peu comme le sac sans fond qu'on utilise pour le standard. Et là, au Pizza Box du week-end dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est sorti un mégalodon, est apparu. Il est remonté des entrailles du standard, c'est-à-dire qu'on pensait que le plancher du standard, on l'avait atteint, on avait tapé le fond avec tous les decks qu'on vous a présentés avant, notamment Grixis Bataille, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vraiment, on était sur le plancher de la fosse des Mariannes, et il se trouve que sous le plancher, quand on passe le nuage de glace, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et là, c'est fou. Et dans ce nouveau monde, il y a des requins préhistoriques, et notamment Mardu Ramp. Oh, Mardu Ramp, incroyable. Avant d'en parler de cette decklist, pouce bien si pas de confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Play-in by Magic bazar, code Val&PL 2023 sur la boutique, 50% de profitabilité pour vous, ça nous soutient, ça régale. Et qu'est-ce qui nous soutient aussi? C'est Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Si vous passez par le lien Ultimate Guard pour acheter des produits Ultimate Guard, deckbox, voilà, carte case comme ceci, attention, carte non fournie, mais vous avez sûrement des belles cartes chez vous à mettre là-dedans. Ah, surtout pas celle-là. Vous pouvez passer par notre lien, ça nous soutient directement en achetant des produits là-bas. Et si vous voulez passer le lien, le site en français, c'est juste en haut à droite, parce que le site de base est en allemand, puisque c'est un site allemand. Voilà, merci à tous. Vous êtes plusieurs à nous avoir soutenus déjà via ce lien, ça régale. Merci beaucoup. Cette décliste, du coup, Pizza Box, tournoi d'internet la semaine dernière. Quel est le but du propos? On le voit, on veut jouer des Megs. On veut jouer la valeur de Cher Phyrexian, Lisseur de métropole et Portail de Phyrexia, qui est un Meg, hein, pour moi, clairement. Ah ben là, tout ça, ce sont des grosses bébêtes venues des entrailles du standard. D'ailleurs, c'est assimilé à des mégalodons. Regarde bien, l'électricité, ça ressemble à l'animation qu'il y a quand ils vont chez les Megs. Ah, c'est vrai, quand ils passent le nuage thermique. Exactement. On va essayer de définir quels sont les Megs du deck. Et donc, tu disais, c'est à valeur de Cher, Lisseur de métropole, Portail Phyrexia. Pour moi, à valeur de Cher, c'est le Meg de 20 mètres. Ouais. Lisseur de métropole, c'est le Meg de 30 mètres. Ouais. Et Portail to Phyrexia, c'est le Meg de 40 mètres. C'est le prédateur ultime. C'est le méga Meg. C'est le méga Meg. Le Meg Meg. Le méga galodon. Pour jouer ces Meg Meg, on vous raconte une histoire, hein, avec le deck là. Il nous faut évidemment de quoi plonger suffisamment profond. Du coup, cette histoire ne vient pas du tout du fait qu'on est allé voir The Meg 2 hier soir au cinéma. Rien à voir. Énorme film. Grandissime. Je ne connais pas du tout ce film, donc je parle sans savoir. Artificier automatisé. Faites du mana. Donc le mana, ça permet de caster des megs, donc de plonger plus profond. Pour 2 mana, 1-3, que pour les capacités ou les sorts d'artefacts. Araignée Thran, pardon. Ça fait aussi un jeton lithoforce pour l'adversaire et pour vous. L'adversaire, il s'en sert s'il veut, on s'en fout. Nous, on s'en sert pour caster les megs. Lithopuissance, ça c'est littéralement la batterie du sous-marin pour descendre, aller chercher les megs. Pour aller chercher le meg. 2 mana ou, et 2 cartes ou -5/-5 à une bête en face, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait aussi des lithophores? C'est la caresse de Gix. On regarde la main de l'adversaire, on enlève une carte, il s'en défausse, pardon, et on crée un lithophores. Et ça, pareil, mais ça met 3 dégâts n'importe où, et on crée une lithophores. Et on a un petit peu d'early game avec droit à la gorge et Édit de Sheoldred, enfin de l'early game, de la gestion, pardon. Ouais. Et on a Adversaire à soif et de sang, très bonne tech qui permet de recaster nos gestions ou nos cartes de défaut, ce qui permettent de créer des lithophores. C'est assez marrant de voir Adversaire à soif et de sang, c'est vraiment une carte tech très rigolote. Complètement. Ça reste acceptable pour rejouer tes anti-bêtes de masse ou alors pour, comme tu disais, rejouer les caresses de Gix, défausser une carte de la main de l'adversaire, créer de la nourriture pour nourrir les mégalodons, tout simplement. Oui, et ça permet de recaster aussi pas mal de cartes qu'on a dans le side. Dans ce fameux side, on a 2 Exterminés, 3 barrages lithomantiques, 2 Chemins du péril. On a 2 Duress, 2 Chapardés comme discard supplémentaire. Donc vraiment le plan de jeu Rakdos classico. 3 Ob Nixilis l'adversaire, qui permettent de disrupt très bien contrôle, et un avaleur de Cher de Phyrexian, supplémentaire contre aggro, évidemment. C'est ça. Alors le deck est mardu, il a un splash blanc pour pouvoir jouer les chemins du péril avec leur coup de tranchage, bien évidemment. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'on est sur une base plutôt Rakdos. C'est un deck qui doit très bien se positionner contre midrange pour l'aplatir totalement. Hein, de toute façon, vous le voyez, il y a des lisseurs de métropole, évidemment. C'est pour aplatir. Et qui doit se positionner assez favorablement contre aggro de par les exterminés, les anti-bêtes et les avaleurs de chair. Par contre, j'avoue que les decks contrôle, ça doit être assez complexe à passer. Mais voilà, c'est un deck de positionnement qui a fini 2e sur un tournoi de plus de 100 joueurs. Ouais. Donc, comme quoi, les mégalodons sont parmi nous. Ça y est. Ils vivent en symbiose avec nous. Ouais, et je crois que notre planète ne dispose pas de Jason Statham, ce qui est un vrai problème. Alors si, mais c'est pas le même Statham. C'est ça le problème. Bah, je sais pas s'il a les mêmes compétences surréalistes que dans le film. C'est pas le Statham des films, c'est le Statham de la vraie vie, la vraie. Eh ouais, le Statham de la vraie vie, je pense qu'il est mort 12 fois dans le film qu'on a vu hier soir. Ah, ça dépend, est-ce que... Le propos n'est pas marseillais, hein. Je pense que 12 est un bon chiffre. Oui. Catalmac, on joue en premier. Ah, en vrai, on a quand même 4 spells de discard, main deck, donc c'est vrai que contre contrôle, c'est pas mortibus non plus. Tu peux essayer. Let's go. Oh, Meg, t'as... Meg. T'as un mégalodon de 20 mètres dans ta main. Ouais, belle taille. Hein. Mais en vrai, je crois que celui-là, ça dépend. Ça peut être le bébé Meg et le Meg de 20 mètres, tu vois. Ah oui, ok. Et effectivement. Oui, il y a deux versions du Meg. Et oui, 2 en 1. Mais en fait, c'est un Meg plot twist. Il y a le prototype. Oh ouais, t'as pas vu le mec pendant 1 heure dans le film et il se trouve qu'il fait 10 mètres de plus. Quand tu le revois. Pif paf. Bon là, je vais mettre un 3-3. Je crois que le 7-7, il est un peu loin, non? Ouais, vas-y, on voit le premier Meg. Je joue contre Dimir. Enfin, Dimir minimum. Ouais, on joue contre Dimir, tempo je pense. On prend notre premier mec 10 de pierre, il faut faire tomber ses contres. Mendek il a que 4 mecs 10 de pierre. Donc une fois qu'il les aura passés, on pourra slammer nos énormes porcs et ça sera très bien. J'aimerais bien une bête que je tue. C'est non. Bah vas-y, hein. Pasteur. Un petit point. Pas de bête en flash là qui me tuerait mon artificier. Ça 2-1 flash ne le tuerait pas donc... Ça bloque très mal. Tu risques pas grand chose, ouais. Bon, elle est là, hein, pas de galère. Ouais. Fin de tour, tu pourras même faire explosion d'excavation, adversaire à soif et de sang, et tuer du coup les 2 bêtes qu'il va poser. C'est un rituel. Ah, donc tu vas pouvoir juste prendre 2 points et faire droit à la gorge si jamais il te slame une Sheoldred. Exact. Allez, là. Eh oui. Hein. Je le savais. Allez, ça dégage. C'est non. Et là, je crois que je vais adversaire, kicker, tuer Rudy et beat down. Ouais, ouais, complètement. Bon, alors, beat down, tout est relatif, mais. Quand même, je mets 4. Bah, ouais, c'est pas mal. Du coup, quel serait le Jason Statham du deck de ton adversaire? Bah, Sheoldred. Hein. Ah ouais? C'est elle qui est capable de harponner les megs? Bah, Death Touch. Ouais, Death Touch, donc elle emporte un meg, forcément. C'est vrai que Statham, il a le Death Touch. Hein. Hier, il a Death Touché pas mal de gens. Ouais. Et il a Death Touch indestructible. Donc, ouais, c'est vrai. Bonne combinaison. C'est pas faux, c'est pas faux. Hop, j'y mets ça, là. Regarde dans le groin. Moi, à 2 doigts, on en parlait à la fin du film. À 2 doigts, je le voyais chevaucher un Meg. D'ailleurs, j'attends ça pour The Meg 3. Ah bah, dans le 3, à mon avis, ça y est. Hein. Alors, on va essayer de pas spoiler pour ceux qui veulent voir The Meg, hein, si jamais. Ah bah, c'est vrai que c'est un très très grand film, donc ça serait vraiment con de... Ah. Si tu sais les quelques plot twists du film, c'est vrai que t'as vraiment plus aucun intérêt à le voir, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a un intérêt à le voir déjà si on s'en fout des requins? Nous, on l'a vu. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on aime bien les requins. Ah mais parce que nous, on aime bien les requins, on aime bien les grosses bêtes. C'est vrai. Mais pour le coup, c'est vrai que ça, on peut le dire. Si vous aimez les requins, c'est pas un film de requins. Non, c'est un film d'action. Il y a des requins dans un film, en fait. The Meg 1, ça reste encore un peu un film de requins, mais alors vraiment The Meg 2, c'est un film d'action. Sachez ce que vous allez voir, quoi. La bagarre. Ouais. De la bagarre et absolument aucune vraisemblance. Ah! Putain, Statham, il est là. Bah, je pioche, hein. Non, vas-y, draw. Oh. Ah, bah voilà. Oh, je suis bon. Mais voilà. Oh, c'est facile, magique. Regarde, je fais ça. Putain. Je t'enlève ça aussi, Coco. Ah, je fais le ménage. Oh. Puis à un moment, tu vas piocher un énorme poisson, tu vas lui foutre sur le coin de la tronche. Ouais, parce que ça arrive là. Il n'y a qu'un seul qui est passé, il y a encore 4, 5, 6, 7 megs. Oh putain, il y a 6 megs quoi. Oh, je devrais avoir un add-on pour calculer le pourcentage de chance de piocher un meg. J'attaque avec. Je pense t'as tout. T'attaques avec tout sauf artificier, je pense. Bah, si bloque artificier, il est mort. Sauf s'il est anti-bête. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut qu'il ait anti-bête spécifiquement pour que ça soit chiant. Il a plus qu'une carte. Il a pas l'air armé le pouletto pour ce qu'on lui propose. Il peut trade artificier du coup, mais je crois pas qu'il le fasse. Ouais. Je remets une bête plutôt que de me servir de ça. Ouais, bah il est à 2, donc tu sais qu'un attaquant de plus c'est létal. En tout cas assez facilement. Il peut pas rejouer sa carte du cimetière, faut qu'il ait un top deck intéressant. Et je pense qu'il va juste s'en aller le poulet. Je crois qu'on va passer à la 2. Là, fissi, fissou. Oh la carte. C'est non. Il peut choisir sa mort. Moi si j'étais lui, je choisirais ma mort. Non, il choisit pas sa mort, ok. Ah ben voilà. Il est mort. Oh, tu le aplatis le coin de la pipe. Parce qu'il était pas mort là encore, hein. Il faut bloquer les 2 de 4. Ah et ça bougeait encore. Fallait mettre un petit coup de mâchoire. Ah ouais. Alors. Incroyable. Qu'est-ce qu'on veut contre lui? J'ai de la discard déjà, donc je sais pas si j'en veux beaucoup plus. T'as pas énormément de choses à sider si ce n'est des contraintes pour pouvoir résoudre tes spells. Donc tu peux rajouter tes 2 contraintes et tes... En fait, si tu veux... Là, ça va être de la discard pour lui enlever des cartes spécifiques, Caresse de Gix. Mais les contraintes, c'est de la discard pour protéger tes gros spells. En fait, est-ce que je préfère pas 2 chapardés plutôt que 2 contraintes? Non, parce que justement, contrainte, c'est plus mana efficient pour passer tes quelques spells intéressants. Ok. Est-ce que je veux un avaleur de chair de plus? Genre, Édit de Sheoldred, par exemple, c'est pas brillant. Tu préférerais avoir des Exterminés parce que c'est un deck qui joue pas de Planeswalker. Ok. Voilà, pareil, Araignée Thran, c'est pas une carte qui est brillante non plus, quoi. Bah, ça bloque Erudiferi très bien. Ça bloque Erudiferi, mais est-ce qu'Erudiferi, c'est une problématique de... Pas tant que ça. Est-ce que tu veux un Meg supplémentaire? Je rendrais bien un petit Meg, en fait, parce que lui, il se curve. Et ça bloque bien ses bêtes. Tu vas rentrer tellement de Meg, con. J'ai rentré 2 Durez, j'en ai vraiment une Caresse de Gix. Ouais, vas-y, putain. À la fin, c'est Jurassic World, en fait, le film. J'ai tous les Megs là. Shark Typhon, est-ce que c'est des Megs? Non, trop petit. Ah, tu peux faire des Megs, si tu peux. Shark Typhon sont quand même un peu plus petits quand même. Ouais, mais tu peux faire X égale 10 et là on est sur du Meg. Gros, je viens de penser à un crossover, j'appelle Hollywood tout de suite. Vas-y. On va prendre le plot, enfin le scénario de Peur Bleue et on va l'implémenter dans The Meg 3. C'est-à-dire que du coup, ça sera des Megs de 40 mètres, mais avec une intelligence humaine. Ah, laisse-moi te dire que là on fait un carnage. Ouais, c'est dans Peur Bleue, ouais. Ils attaquent la station parce que du coup, on a développé leur intelligence pour faire une recherche contre Alzheimer. C'est pas le truc où les requins, ils peuvent nager à reculons, là? Ils nagent à reculons et ils s'infiltrent. C'est à l'inverse de l'homme qui arrive dans le domaine du requin, c'est le requin qui arrive dans le domaine de l'homme. Vachement bien comme film, cela dit. Hein. Très bon film des années 2000. Ouais, je l'ai vu ça, gros, avec Samuel L. Jackson. Avec Samuel L. Jackson, ouais. Imagine donc si jamais on fout ça sur les bousins là. Ouais, je crois que j'ai gardé ça. Pas besoin de le kicker là. Enfin, j'ai plus besoin de le kicker, je veux dire, que de le jouer tour 2. Ouais, ouais. Bonsoir. On va le tuer ça. On va le tuer. Et tu vas te défausser. Adversaire à soif et de sang, je crois. Lisseur? Bah, Lisseur, il est pas loin. Hein. Si... Ah, quand même, hein. Franchement, il est loin, là, je trouve. Ok. Je trouve qu'il est un peu loin. Alors que là, tu peux juste avaleur pépouze et derrière, tu gardes adversaire pour refaire un anti-bet. Oh, j'ai ça. Ah, mais il faut que tu trouves land spécifique, donc tu joues avec les cartes que t'as pas. Ok. Ce qui est un peu risqué. Ouais, mais avaleur, il pouvait se casser plus tard aussi. Donc ouais, mais plus tard, du coup, t'as un lisseur maintenant. Alors, on n'a pas trouvé de land. On va proposer 4 points. Et on se redonne le droit de l'ender. Ah, c'est que ces anti-bêtes sont peu efficaces contre nous. Ouais, bah déjà, les droits à la gorge, pas ouf. Droits à la gorge exterminés, ça tue pas ça. Ah, il faut Liliana, ouais. Ah, bah on l'a plus Sheoldred, c'est dommage. On devrait pouvoir le finir, j'espère, avec ça. C'est pas excessivement bien contre nous, Liliana, très honnêtement, on s'en fout un peu. Tu prends le risque. Est-ce que tu veux double adversaire? Il y a une réponse, donc je double adversaire, ouais. Il a une réponse? Mais est-ce que sa réponse, c'est pas Meg 10 the pire? Non, parce qu'il a une réponse quand t'es coming to play ou pas? Ouais, en coming to play, pas au cast. Donc celui-là, il passe. Et là, du coup, je peux attaquer Liliana. Parce que si j'attaquais et qu'il me le tuait, il faisait plus un, je perdais l'autre. Enfin, c'était hyper relou. Ouais, c'était relou. Non, si t'es sûr qu'il avait un exterminé, c'est bien. Il a conservé des droits à la gorge. C'est pas très bien en vrai, mais... mais il l'a fait. Il l'a dit. Ciao. Bye bye le lisseur. Pas grave, on en a 4. On peut pas tuer ça avec ça. Ah bah non, on va juste draw. Hein. On va draw 2 du coup. Yes. Tu vas draw 2 pour aller chercher tes megs. Faut les appeler. Ouais, je draw 2 megs. Alors il y a qu'un seul mec que je peux caster avec... avec ça en l'état. Ouais, mais on n'est pas loin. Ok. Pas d'attaque. Pas d'attaque, mais tu peux taquer Numa pour reprendre un adversaire qui est pas si mal hein, comme option. Ouais. Putain, il a gardé tous ses droits à la gorge, mais poulet, c'est pas bien contre nous. Et il a peut-être rien contre nous. Hein. Bah. S'il joue le même side que ce que nous on a joué dans la dernière vidéo, franchement, il y a de quoi sortir tes droits à la gorge. Hein. Il a trouvé Dormeur, un bon top deck. Allez. Transfert. Bah, adversaire. Hein. Alors, j'allais dire, il faut pas lander, je pense, parce que tu as déjà tes 8 mana et que quand tu vas vouloir adversaire pour tuer un truc, bah du coup, tu vas devoir te défausser d'une carte. Ah, bah j'ai défaussé ça. Ça sert plus à rien, là. Il a 5 mana, il casse tout. Ok, ouais. Ouais, c'était bien dans le cas où il gardait une carte en fait. Ouais. En plus, il fallait que je monte à 8. On n'était pas à 8 ? Bah, t'étais déjà à 8. 1, 2, 3, ah non, t'étais à 7. 6, 7. Non, ouais, t'étais à 7. Effectivement. On n'a rien joué. Ouais, je vais tuer son intrus. Hein. Intrus ou dormeur ? Je crois que dormeur, en fait, c'est plus grave. Ouais. Ouais, peut-être. Putain, il push, hein. C'est une capa, ça ? Ah, il nous a défoncé, il a enlevé les deux droits à la gorge, parce qu'il sait qu'on a un adversaire. Et nous, on pioche vraiment avec le cul. Ouais, faut passer à la prochaine. Je peux recaster rien... Putain, Statham a gagné. Non, c'est pas fini. Hop là, tiens, l'anti-bêche, je l'enlève. Oui, c'est pas fini, mais c'est compliqué, quoi. Bah, Portail de Phyrexia. Ouais, t'as encore un top deck. Un top deck puissant. Si je paye 3, ça fait rien. Si je peux refaire Caresse de Gix pour refaire une Lithoforce. C'est peut-être pas dégueu. Si ça mange pas de pain, de toute façon, ça te met un marqueur. Caresse de Gix. En fait, on a fait une sortie de créatures qui prennent droit à la gorge, alors que normalement notre deck ne le prend pas, et c'est ça qui nous a un peu mis dans le mal. Bah après, on a plein de mecs qu'on pioche pas, hein, de toute façon. C'est vrai. On en a eu qu'un seul qui était le plus frêle. Le plus petit. Et lui, on a Mais tu les discard. As pas appelés, c'est pour ça. J'ai pas dompté les mecs. 5, 6, 7... Je suis obligé de bloquer la grosse bête sinon je suis mort. T'es mort parce qu'il peut double buff. Ouais. Bon là faut pas qu'il ait de contre. Qu'il a un contre-sort dans la main. Et que tu vas top decker quand même ton portail tout fier avec ça. Je te l'annonce. Ah déjà il a pas un airtail. Mais sans déconner. Sans déconner. Oh super ça, super. Oh bah je rentre les bras ça. Nope. Du coup, Eddie, j'ai un peu plus envie. Puisque Liliana, si on n'a pas les adversaires, c'est très chiant en remove. Et si on n'a pas de carte en main, on meurt. Genre ouais. Tu peux explosion d'excavation dans la Liliana. Ouais. J'enlève une caresse, ça arrive un peu tard. Ouais, peut-être que caresse, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on voudrait enlever? Tu peux enlever un avaleur de chair, c'est pas non plus incroyable d'en avoir 4 contre lui, c'est bien d'en avoir 3. Après, le lisseur, il fait rien, quoi. Donc, est-ce qu'on peut le piocher? Oh, les Golas à Aragorn. Ah, il précise qui le dit et à qui. Ouais, c'est stylé, hein. Allez là, est-ce qu'on peut voir les requins gagner, quoi, s'il vous plaît? Alors franchement, c'est mal payé s'ils gagnent pas. Bah ouais, franchement, nous on s'est fait chier à aller les chercher dans les entrailles de la planète, là. Ah oui. Et le standard est profond, hein, vraiment très profond. On a plongé en eau trouble, comme dirait le film français. Oui. On serait plutôt reward de prendre une petite game. Oh, je suis pas obligé. J'ai rien à faire trop de... Ouais, je crois que t'es pas obligé, ouais. Exterminé son tour 1. Regarde là, là. Un petit dormeur. Bien okay, ça. Regarde là. Celui-ci. Gucci. Ça meurt. Bah ouais. Il s'agirait de trouver les petits terrains quand même. Hein. On trouvait des terrains, bien sûr. Là, nickel. Bien sûr, bien sûr. Putain, si tu trouves un land et que tu lui enlèves un tru, c'est genre exceptionnel. Un land, s'il te plaît. Oh, yes. Let's go! Si. Si. Allez l'intrus, tu dégages. Hop, tu m'as saoulé toi. Et je trouve et là, land, tu un land. Lithopuissance, bah, voilà. Je tue le dormeur. Ou je draw 2. Je sais même pas si tu tues. Tu draw 2, non? Je m'en fous du dormeur. On s'en fout. Bah, pour l'instant, on s'en fout en tout cas. Ouais, oh mais gros, c'est trop. Ah, c'est too much. On ne fait qu'un avec le Meg. Non, elle a pas pioché un compte, ce serait abusé. Ah, ça y est, tu le chevauches là? Ah, je draw 2 là. Oh, vas-y, vas-y. Oh, je draw 2. Bah ouais, oh, bah, t'inquiète aussi, on s'en fout, y a pas de galère. Oh là là, mais regarde comme je suis fort. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux voir. Bah tour 4, lithopuissance, draw 2 dans artificier, c'est cool. Oui, oui, oui. Mais bon, moi je suis venu voir un film de requin, si tu veux. Parce que là... Et les gens qui regardent cette vidéo veulent voir du mégalodon. Grâce à cet artificier, et il joue ça, c'est marrant. Grâce à cet artificier, n'importe quel mec pioché, c'est joué. Ah non, pas le portail. Mais est-ce que le Meg se montre? Est-ce que le montre ce Meg? Putain, ça a pas la portée artificielle automatisée là? C'est pas... Non, c'est pas le genre de la maison. Dommage. Oh, ça c'est pas un Meg, mais c'est une créature des entrailles. Mais je vais faire ça, kicker et je lui prends. Hein. Je prends un carton. Hein. Vas-y, vas-y. Enfin, je peux jouer les deux de toute façon. Caresse hein. Donc à faire. Ouais. Oui, parce que tu peux pas tuer le dormeur en réponse. Enfin, en réponse, lui, il va le buffer, donc c'est chiant. Oh, rien. On joue carte sur table. C'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, ouais. Oh, joue tout. Hein. Tu peux jouer ton land aussi, en vrai. Ouais. On n'a pas d'effet draw discard, ça tourne mieux autour de Liliana. C'est juste pour tuer un intrus. Ah, tu peux le garder pour tuer un intrus. Ça peut avoir un intérêt si t'as pas besoin de lander. 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai beaucoup de mana, ça doit aller. Non, bah vas-y, garde-le alors. Et j'y mets 3. Hein. Et je pense que tu peux y mettre 3, ouais. Et là, maintenant, il a dormeur évolué dans lequel il peut investir du mana pour piocher. Ce qui est un peu chiant, mais bon. Mais vu qu'il a pas beaucoup de mana non plus... Ouais, ça peut le faire. Enfin, quoi qu'il a, il lande, il passe à ça. Ça peut le faire. 6... Après, il y a un monde où tu trouves tes putains de mégalodons. Là, j'ai 3 avaleurs. 4 Cityscape Leveler et un portal. Ouais. Donc il y a 8 cartes sur... Lisseur de métropole. 8 cartes sur 47. 8 x 6. Ouais, une chance sur 6 à peu près. Ouais, ouais. Ouais, c'est 8 x 6, c'est 48. Bon, fais Araignée Thran là. Et non, si je le mets dans ma main, donc si ça a une discard, ça me l'enlève. Ouais, mais si t'as rien d'autre à faire. Bah ouais, mais ce que je vais trouver, je pourrais pas le jouer, donc s'il a une discard, je le perds. Faut que je le fasse en fin de tour. Donc, ah, tu peux l'activer en éphémère? Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Je crois que c'était une capacité que tu pouvais activer qu'en rituel. Je dis, bah non, ok, non. Tu le perds s'il a une discard, mais dans tous les cas, si t'as rien à faire, fais-le, tu vois. Non, non, je peux le faire en. Bah, pour 7 mana, heureusement qu'on peut le faire en instant, sinon. Oh, tu sais, je me méfie, hein. Ça coûtait cher. C'est pas non plus une excellente carte, l'araignée Thran. Ouais, ça donne ça à l'oppo. Je comprends pas ça. Bah, c'est pas abusé quoi, si ça donne pas. c'est meilleur. Mais... ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient peur que les stratégies rampes... elles ont été fortes hein, à l'époque de Brother Soir. Les stratégies, je rampe dans Cityscape Leveler, ils avaient peut-être peur que ce soit trop puissant. Mm. Bon, on peut prendre un... sans déconner. Oh. Belle. Donc là, sur les X dernières cartes, il n'y en avait pas, de toute façon. Non. Bah écoute... après, tu sais d'où ils viennent, les mecs, hein. Du fin fond du standard, donc faut aller les chercher. Donc là, on sait que la dernière couche, c'est pas eux. Donc à partir de là, ils sont... ouais. Ils sont à peu près à 5000 mètres, là. Ah. Ils sont dans la fosse. Allez, l'OM, là. C'est bien parce que lui, il a tout le temps de récupérer des contresorts. Ah oui, mais Cityscape, c'est pas grave. Contrer, je bute quand même ton truc. Pour nous empêcher d'aller chercher les megs. Ouais, mais bon, c'est relou quand même. Enfin, genre là, ils se gloutonnent, c'est un enfer. Ah bah oui, parce que nous, pour 7 mana, on pioche rien, ou de la merde. Alors que lui, pour 3 mana, il pioche une carte. Et peut-être pas de la merde, cela dit. Peut-être pas. En plus, il se permet de jamais jouer Mirex. Alors, ça, on s'en fout bien comme il faut, tu vois. Ça, on s'en fout cossu. Bah ouais. Alors, si tu veux poulet, il ne savait rien, lui. Ouais, tu sais que je suis pas loin de faire double... oh putain. Attends, il est en phase d'attaque, ouais. Je suis pas loin de faire double capa d'araignée, là, par tour. Et on prend, hein. Ah bah oui, bah ça fait 14 mana rien, donc... on va chumper avec la 1-3, je crois. Ah, je préfère garder du mana que la 3-3, je crois. Vas-y, bah la 3-3. Tiens, mange. Tiens, bouffe. Hop là. T'as aussi des droits à la gorge dans ton deck. Enfin, il y a plein de cartes qui sont utiles ici. Oui. Ça serait pas mal de les choper. Pas des landes. On vous a parlé de l'algorithme de Magic, notamment sur Magic Arena. Là, je tombe le masque. Là, je tombe le masque maintenant. Il y a un algorithme sur un TGA et là, le jeu veut qu'on perde cette game. Le jeu nous chie dessus. Maintenant, on cache ça depuis 4 ans, on sait des choses, on ne peut pas le dire. C'est rigged. On ne pouvait pas gagner ce match contre Catalmac. Malheureusement, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Rect. Et là, je le fais en rituel. Rien à foutre. T'as bien raison. Il faut en avoir rien à foutre. Rien à foutre. Oh, génial! Donc là, sur 15 cartes, il n'y avait que des automates de merde. Il n'y avait surtout pas de mégalodon PL. Putain. Me dégoûte. Je tente pas d'aller tuer ça, hein. Il va faire un petit bête, je bloque. Non, non, ça me balègue. Mais je crois que s'il fait des fausses, ça me va, en fait. Ouais, moi aussi. Au Catalmac, si en plus que l'algorithme est contre nous, bouge-toi au moins l'arrière-train. Pas une vie non plus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, je peux faire deux coups d'araignée maintenant. Parfait. Oh, il va la tuer. Non. Oh, il peut pas. Comment il la tue? Il a ni exterminé, ni droit à la gorge. Mec, il joue des trucs. Il joue des trucs bizarres pour la tuer. Il boune 6 contre. Ah, si on gagne par KO, moi je prends. Hein. Ah mais t'imagines, c'est comme si on regardait un film sur des mégalodons et c'est pas le mégalodon qui tue. C'est relou. Bah, faut pas parler. Moins passionnant, ça, quoi. Ça le réveille. Chut, chut, chut. En vrai, je pense que Catalmac, quand il a vu qu'on a 2 fois échoué sur Araignée Thran, il se dit oh, franchement, c'est trop. Il se dit rigged. Je dis là, franchement, ok, c'est à mon avantage, mais c'est trop pour mon adversaire. C'est rigged. Il a viré complotiste aussi, et il est là en mode ok, je la lui laisse. Je pense que je maintiendrai le fait que ce soit rigged encore plus si l'adversaire déco. Pourquoi? Parce que je me dirais, pour contrebalancer, le jeu a entendu là ce que je voulais dire. Ouais, je vais tuer Liliana. Le jeu t'écoute? Je suis Liliana ou pas? Non, je pense pas. Ouais, je suis pas Liliana. Ah, sinon tu te fais défoncer sur un truc. Donc le jeu m'écoute, m'entend et se dit ok. Il est pas content. Merde. Il est en train de se rendre compte. Je l'entends dans son ton, il sait, il y croit. Il est en train de se rendre compte, il faut absolument que je lui envoie des signaux contraires. Donc, comment faire? Oui, 4 minutes de plus que nous quand même. Comment faire? On le fait gagner. Et pour que ce soit pas trop cramé, pour que Catalmac ne sente pas le poids de la défaite, juste on le déco. Moi je pense pas, moi je pense que c'est vraiment Catalmac qui a eu une profonde sympathie pour toi. En mode, putain le mec, il a percé... Le plancher de la fosse des Mariannes du standard pour aller chercher un deck composé de mégalodons. Et il se passe ça, c'est triste pour lui et je veux l'aider. The Meg. Terrible de nous faire ça, Catalmac, là, 4 minutes d'attente pour rien. Ouais, ouais. Il y a une vraie envie de te soutenir, quoi, dans cette épreuve. Ouais. Après, il tombe à 8. Cityscape Leveler exhumé. Bam! C'est pliado. Hein. Ah, mais on peut encore la voler, celle-ci. Hein. Bah, bloc. Hein. Pas de bloc, ça pue. Bah, ça nous tue pas, mais... Une mais ça nous rend chiant. Pas plus fort. Non. Hop là. Nickel. Alors ça, l'avantage, c'est quand tu pioches de la merde, contrainte n'a pas d'emprise sur toi. Ouais. Oh, le contrainte dans plus 1 de Liliana. Ça, c'est vraiment un trade que je prends tous les jours. Eh ben... Alléluia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et comment j'ai compté, moi, tout à l'heure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bah, t'avais un mana de plus avec ta créature et un mana de plus en main. Ah non, mais j'avais 2 automates qu'il a buté. Ouais, c'est ça. Eh ben, 7-7, il est contré, on est content? Bah ouais, hein. 7-5. Ah ouais, est-ce que ça sert 7-5? Sinon je fais une 3-3 et un coup d'araignée. Hein. Oui, ça sert 7... Non, ça sert pas. Il est death touch ou pas? Non. Après, s'il peut pas le gérer, j'attaque à travers ça en fait. Donc si, c'est pas mal. Vas-y, fais le 7-5 et on perd sur contre-sort, c'est bon. C'est bon. Après, il y a quoi comme contre qui compte ça? Botte dédaigneuse. Faut qu'il en ait en saille. Qu'il est rentré, qu'il est pioché. Bien joué. Ouais. Ça, c'est assez légitime avec le nombre de cartes qu'il a pioché. Ouais. Eh ben, tu peux partir. On est à 2. Non, il nous tue la létale. Il fait moins 2 et je buff Dormeur. Il nous met les... Ah non, il nous tue pas. On sera, il sera one-off. One-off ou two-off. 10, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13. Ouais, et du coup, même Cityscape Leveler nous sauve pas parce que du coup, tu fais Cityscape... Tu tues le dormeur et derrière tu meurs sur la ferry. Enfin, on n'a pas d'issue favorable quoi. L'anti-Sheoldred pour le panache. Oh, il pourrait. Vas-y, slam une Sheoldred, Catalmac. Bon, allez, dégage. Ouf. Eh ben... Faut pas être aigri après une game comme ça. Hein. Heureusement, on va conjurer le mauvais sort, Val. On va en relancer une? Ah oui. Toi, tu veux, mec, tu veux lâcher les mégalodons. Hein. Toi, tu veux qu'il y ait un carnage. On a storytellé les megs non, et on les a pas vus. Catalmac, il a réussi à sauver la planète et toi, tu es le méchant du film qui veut libérer les mégalodons sur les plages, quoi. Oui. Ok. Non, mais que les gens sachent. Quelle est ta position face à tout ça? Je veux piller la planète et être riche. Je m'en fous des conséquences. C'est littéralement le... pas du tout manichéen hein, pour le coup. Le méchant de The Meg. Ah ouais. Ah mes ambitions moi, bon juste être riche. Dans The Meg 1 il n'y a pas de méchant d'ailleurs. Vous tuez plein de gens. Non, dans The Meg 1 c'est eux qui ont fait leur propre connerie. Ah ouais. Je joue en premier. Excellent. Et c'est pour ça que étonnamment The Meg 1 qui a quand même pas du tout eu un succès critique est un film qui est beaucoup plus vraisemblable et à mon sens intéressant que The Meg 2, mais... The Meg 2, c'est la bagarre. Ah, The Meg 2, c'est... On laisse la vraisemblance au casier, quoi. Un film d'action, c'est Jason Statham qui tape tout ce qui bouge. Dinosaures, requins et humains. Oh, le Feldon. Qu'on va Édit de Sheoldred. Hein. Oui. Ah. Ouais, tu vois quand même Lady, je pense. Ouais, Lady, c'est mieux. C'est mieux. J'ai une création de jeton. Bam. L'attaque. Oh, je voulais faire 10-15 pour 3, mais je pouvais pas. Il est content d'attaquer dans T1-3 avec ses 2-2. Ouais. Bon, il va mettre 3 points à Frappe foudroyante et on prend 4. Hein. Oh, le poussin Piou. Dès que tu vas commencer à assembler des araignées, lui, il va tousser. Hein. Je voudrais lui enlever un truc. Oh! Ça, c'est chiant. Ça, ça l'est aussi. Ouais. Donc, je pense que Art de la Guerre, ça l'est encore plus. Mono-Red, c'est censé être un bon match-up. Hein. T'as des Exterminés après side, t'as des anti-Batman deck, t'as des 2-4 qui bloquent, t'as des avaleurs de chair qui sont main deck. Enfin bon, on peut trouver la bonne partie du paquet, s'il vous plaît. Le jeu, faites un effort. Ouais. Je peux trouver des araignées Thran, ne serait-ce que ça. Ouais, c'est ça. C'est les fameuses 2-4. Ouais. Ok, j'ai double anti-bet, je suis bien là. Ouais, ça va. Et t'es à combien du portail? 6-7, t'es à 2 manas du portail. Ouais. Mon portail là qui fait pas grand chose. Putain, il est bon quand même. Ouais. Tiens. Bon. Et enlève aussi Kumano. J'enlève Kumano? Je peux le bloquer. Ah ouais, ok. Non, parce que l'idée c'est que Kumano, quand tes créatures sont détruites, elles vont pas au cimetière, mais effectivement, au moins tu peux le bloquer. Ah, normalement, lui, il va pas détruire mes bêtes. Hein. Ouais. Ah, nickel. Super, excellent. Maintenant, on prend plus que 1 par tour. Et on top deck land pour portail Phyrexia. Ouais, pas mal. Bah, on prend 0 par tour, je pense même. Hein. Ça dépend s'il décide d'attaquer, ce qui serait effectivement pas une très bonne idée. Le Feldon. Ça. Ah, il va all attack. Non, mais je les connais. Je les connais trop. Okay, c'était sûr qu'il allait all attack. 4. Ouais, comme ça, il peut essayer de te tuer avec la saga s'il la joue. La bataille, pardon. Allez, hein. Il aurait pu animer ça aussi. Hein. Ah non, c'est 2. Bah, portail. Hein. Ouais. Il y a pas mal de trucs qui nous suffisent. Ouais, c'est ça. Il y a Stock the Flame, mais c'est pas joué. Et la bataille n'est pas jouée normalement non plus. Donc tant que t'es à 4, virtuellement t'es à 1 sur ces top decks. Il peut animer ça en réponse, ce qui me va. Ne le souhaite pas. Effectivement, il peut juste piocher un Play with fire, double attaque et te tuer. Donc là, faut passer le tour. Faut qu'il ait un top deck médiocre. C'est possible. Petite montagne là. On est mort sur foudre, on est mort sur frappe foudroyante. Donc on va bloquer la 2-2 ici. Pas le Feldon bien sûr. Et là on est mort sur n'importe quel Play with fire. Et ça me foutrait le seum. Putain. Après c'est le fond du sac hein. Hop. Oh, ouais, bien sûr, c'est le fond du sac. Enfin, sauf que là, le fond du sac, il joue quand même 3 avaleurs de chair, plus plein d'antibêtes, donc le fond du sac, ça va 2 minutes, quoi. Alors, Caresse de Gix, ça dégage. Alors, vraiment exécrable. Ça, c'est nul. Tu peux enlever un Édit de Sheoldred. Ça, c'est moins bien, et c'est bon. Et tu peux rester comme ça. Allez, parce qu'à valeur de chair, à 7 mana, c'est fini. Il se passe quoi si on creuse encore plus loin que le territoire des mégalodons? Pour trouver un autre deck, tu veux dire? Ou trouver d'autres créatures préhistoriques? Franchement, j'ai pas envie de savoir. On veut les laisser là-dessous. Je vais attendre les belles contrées d'Eldraine à la cool, avec de la bonne nourriture. Enfin bonne, de la nourriture au moins. Et là, à la fin de cette vidéo... Vous n'êtes pas obligé, Tourin, tout le temps, là. Je peux vous dire que ce deck-là, il va repartir dans les entrailles du standard. Hein. Ah, il va survivre le temps de mettre la déclinaison en description. Il va pas survivre au plus. On va refoutre les mégalodons dans leur habitat naturel, c'est-à-dire loin de nous. J'aime bien Mono Red Card en vrai. Je sais pas si c'est pas mieux. Non, en vrai, je pense que ce deck-là, il est plutôt bien. Hein. C'est juste que tu déchattes de zinzin. Hein. Sur la game d'avant, sur tes doubles activations d'araignée, tu dois trouver au moins un lisseur et tu le déboîtes. Et ici, franchement, on est censé avoir le match-up. Donc, je pense que le deck est meilleur que ce qu'il nous montre en vidéo. Ouais. Encore une fois, c'est l'algorithme qui nous déteste, PL. Bon, bah ça, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Hein. En fait, l'algorithme, il sait que le sel génère de la visibilité. Du coup, il fait exprès de saler les streamers. Et les, à deux doigts de le remercier. Quand même pas, mais... Mais à deux doigts. Oh. Ben nice, hein. Pas mal, ça, hein. Oh, je kick. Je kickerikiki. Tu sais que ce deck-là, il est quand même bien pensé, parce que Adversaire à soif et de sang, ça me serait jamais venu à l'esprit de le foutre là-dedans. Et en fait, c'est vachement bien, parce que tu payes sa capacité avec tes lithoforces. Ouais, ça, j'avoue que j'avais un doute, en fait, sur comment ça fonctionnait, mais ça marche bien. C'est assez smart. Assez smart. Enfin, genre, le deck est probablement mieux que ce qu'on pense. Toi, là, pareil, t'es dans le spot où n'importe quel 7-5 te fait gagner la partie instantanément. Juste... Okay, c'est pas mal, ça. Il faut le talent de les trouver. On va pouvoir faire Takenoma exterminer droit à la gorge. Donc c'est là où on redresse normalement. Redresse, redresse. 5 landes. Oh, il joue vraiment mono-red, regarde ça. Si c'est pas rouge, aggro. Oh, belle. Ah, c'est assumé, hein. C'est assumé. Excusez-moi, jeune, juste enlever ça. Et tu sens la vitesse de jeu et d'exécution, là ça pousse les cartes. Hein. Ah oui, ça là, on est à la pause du midi, le taf reprend dans 5 minutes, il faut bourrer. On va essayer de faire les petites quêtes. Oh yes. Oui. Et voilà. Échec et mat. Oui. Allez. Échec et mat, monsieur. On passe à la 2. Ah non, il peut avoir des anti... Si, j'ai envie... Le truc, il met 5 là, pour 3. Il va perdre 7 PEV, quoi. Il va perdre 7 PEV, mais on n'aura pas gagné nos 7, lui. Tout ce qui lui importe. Oh, vive lance et le spell. Il serait aussi fort? Non. Non, il est pas aussi fort. Dans notre gueule. Toujours. Oh là là. Oh, je te propose de lui lisser sa métropole à lui. Oh, j'exhume. Attaque avec tout. Je vais te péter ça. Bam, bam. Ah. Ça fait nickel. Plaisir. Hein. Ah là, ça fait du bien. Quand tu lâches l'armée de mégalodons, putain, t'es doux. Là, on a les megs là. Et en plus, il y avait presque une triple attaque avec tous les trucs. Puis en face, il n'y a pas, pas Statham, quoi. Il n'y a pas Statham du tout, non. Ne touche à rien. Touche à rien. Je me demandais, Ob Nixilis, à quel point c'était envisageable, mais... Non, c'est pas très bien. Parce que ça fait gagner 2 PEV. Ouais, mais ça prend mal le board. Je pense que c'est plus une carte pour grinder les decks contrôle qu'une alternative contre aggro. Oh. Très bien. Hip. On n'en demande pas plus. Ah là, ça c'est pas le petit Kumanox. Je suis content, moi. Moi aussi. Oh, t'as une sortie là. Tu mets un meg au bout de ça. Et on mais il est là. Hein. Ah, mais lui, en vrai, ça c'est le meilleur des megs, ça. Ah, je le mets tour 3, lui. Ouais, je pense. Bah, t'as besoin de survivre. Si je pioche anti-bête, non. Ouais. Ouais, ça dépend ce que tu vas piocher avant. Automate. Mais... Alors attends. 3, 4. Mets ta vie que tu vas le mettre tour 3 parce que tu vas lithopuissance après au tour 4. Ah, je peux pas le faire T4, dommage. Parce que si je faisais artificier qui le tuait pas. Je faisais des trucs. Gros, il te dézingue et on trouve que des artificiers de merde. T'es obligé d'avaler maintenant. Bah sinon, je fais double artificier et je peux chump. Hein. Tu veux chumper Feldon? Bah, triple chump. Non, non, genre un dans Feldon pour limiter les dégâts et un là-dedans. Et derrière, après, tu fais lithopuissance sur Feldon et t'essayes de caster à valeur, mais du coup, t'es vachement loin parce que t'auras perdu un artificier dans Feldon. Bah, je suis loin de 1 mana. Oui, mais c'est dangereux quoi. Alors que si tu as valeur maintenant, si à valeur, il a toutes les frappes foudroyantes et autres qui le tuent. Je sais pas quelle est la meilleure option. Parce que moins 5.5 sur Feldon, ça le fait pas piocher. Ouais, ouais, c'est l'avantage, bien sûr. Mais dans tous les cas, ça, tu feras moins 5 le tour d'après, quoi qu'il advienne. Et non, si tu artificier, je le fais pas. Et du coup, je fais double artificier. Bon, vas-y. Non, mais vas-y. Merde. Ah! On tente. Le drame. Non, mais en vrai, il va tuer. Si tu fais à valeur, il tuera pas artificier. C'est pas possible. Faudrait qu'il ait double frappe foudroyante. Après, s'il attaque avec tout, je peux aussi bloquer à valeur dans Gravure. Il attaque pas avec tout. Moi, pour moi, tu mets à valeur dans Feldon. Et on lui donne de quoi trouver des cartes. S'il avait anti-bet, il aurait fait main phase 1. Je pense. Il l'a pas, donc 5. Tu veux pas aller lui donner? Bah, je peux prendre 5. Hein. Bah, prends 5 alors. 5, il tue pas à valeur. Nous, on tue Feldon, on attaque, on est pas mal. Hein. Ok, ok, ça me va. C'est très bizarre de pas anti-bet, en tout cas, si tu l'as. C'est effectivement très bizarre de pas anti-bet. Si tu l'as, par contre, si la double frappe foudroyante, il nous tue avec ce spot-là. Ah, il en aura plus chez 2 handicaps. Bon, bah, c'est... Oui, tu peux pas tourner autour de ce scénario-là. Tu peux tourner autour d'une carte, mais pas d'une doublette. Ouais. Il faut spécifiquement frappe foudroyante, x2. Pour en avoir 2, tu es censé piocher entre 15 et 30 cartes. Ça voudrait dire que là, dans le film, les héros ignorent le Meg et cassent juste à la gueule à celui qui a libéré les Megs. Ouais. Exactement. On n'est pas mort. Oh putain. Je commence à comprendre le plan de notre adversaire. Allez, on va tuer le Feldon, on va attaquer, regagner nos 3 PV et on sera pas si mal. Quand je dis pas si mal, tout est relatif. En tout cas, c'est sûr que tu dois lithopuissance Feldon, après on réfléchit à l'attaque. Mais est-ce que je ne dois pas faire double bet plutôt? Ah, t'es à 4, hein, donc du coup, t'es mort sur... Si j'attaque, faut que je double bet. Mais est-ce que tu dois attaquer? Je suis pas sûr, moi. Bah, je meurs plus facilement sur des spells. Et il a ça qui peut animer aussi, il a une bête de plus. Ouais, okay. Oh putain, quel enfer. Lance le mégalodon PL. Je mets 3 points. 3 points et tu double bête. Je peux aussi double bête avec 3 bloqueurs, mais... Et je crois que c'est mieux, hein. Tu vas même pas Araignée Thran. Tu vas 3 bloqueurs. Donc je fais double artificier. Ouais. Parce qu'en fait ça me permet de bloquer un piou. Ouais, mais c'est pas grave. Toi, ce que tu veux bloquer, c'est les cartes qui mettent le plus de dégâts. Je pense, hein. Bah, ton idée, toi, c'est de bloquer Feldon et de bloquer une fonderie qui serait buffée. Bah, fonderie buffée, ouais, il faut que je donne un chump, en fait, sur fonderie de sûr. Ouais, donc peut-être que... Je pense que je ferai double artificier. Ouais. Et on essaye de passer le tour comme ça. Et au pire, on reprend 2 points du poussin piou, c'est pas grave, tu vois. Ouais, ouais. Oui, là, normalement, on survit, là, avec 7 PV. Oula, attention. Bah, en fait, s'il joue des spells, il n'anime pas ça, donc... Ouais, ouais, mais... Après, encore une fois, un double frappe, on est mort, mais... Il le faut. Oh, il donne tout ce qu'il a, le type. On va bloquer la 3-3 et on va bloquer la 2-2 et prendre le reste. Mais il n'a pas attaqué avec ses fonderies, ce qui est assez étonnant. J'ai peur qu'il ait l'anti-bet là. Qu'il ait les dégâts fakes, pardon. Il y a 3 cartes pour ça. Tu lui donnes une option. Trouvé Art de la Guerre qui gère à valeur, mais bon. Ouais, ça, on peut pas y faire grand chose. Si ça gère ça, faudra tuer le dragon avec lithopuissance. Il gère mon avaleur de chair. En vrai, ça va, parce que tu peux retop decker un avaleur ou une dinguerie comme ça, tu vois. Ouais. J'ai 7 mana, donc ouais, un autre avaleur, on est pas mal. Il a le mana... Non, il peut pas le caster. Évidemment, on n'en pioche pas. Allez, faut que tu pètes la gueule à Feldon et qu'il ait pas de frappe foudroyante pour te l'étale avec ses 2 poussins piou. Ou je fais ça, hein. Ou tu fais ça et tu... Ouais, mais bon, du coup, tu chump Feldon, tu leur donnes encore une carte. Ah bah non, mais je vais faire les 2, je suis con. Ah oui, ça fait les 2. Bah oui, bien sûr. Je vais faire le mana tout de suite. Tiens, ça, je tue. On est marre. Et hop. Bon, par contre, je lui donne un mana pour activer ça, mais bon. Ouais, bah écoute, tant pis. Malande, c'est bien. Chandra. Ça n'a pas excessivement bien payé, je crois. Non. Un face. Faut que tu top deck un mégalodon là. T'as plus le choix. Hein. Ah, il faut un méga. Ok. Je suis même pas sûr qu'un mec ça suffise. Moi. Putain, il a beaucoup de spells qui mettent 5 à cause de Sheoldred. On est content, Val, ou pas? Oh, putain. Bon, on va refoutre les mecs au frigo et on les ressortira dans 2000 ans. Putain, c'est pas compliqué, hein. Je me rappelle d'avoir joué des decks avec genre 3-4 payoffs, mais t'en avais toujours 2 mains de départ, genre à Traxa, tu sais. Ah bah les gens qui jouent à Traxa, y a pas de galère, ils les ont. À Traxa tout le temps. Tant pis, le deck n'a pas répondu à nos attentes. On a essayé. Je pense que nous sommes de très mauvais dresseurs de Meg et que de toute façon, dès qu'on essaye de jouer avec la nature... je pense qu'effectivement, on n'a vraiment pas eu de chance, mais en plus, Mono Rouge, il avait que des spells qui mettaient 5. Donc de toute façon, notre Meg principal, ouais, c'était dur de le faire passer, quoi. Ouais, je pense que ça reste quand même un bon match-up. Enfin, dès lors que tu as, un deck qui peut paquer des droits à la gorge, des exterminés, des explosions d'excavation, des 2-4 portées, pardon, et des avaleurs, enfin, franchement, gros, on doit s'en sortir, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'on joue des landes et que comme on pioche que des landes, bah, ça fait rien. Donc, mauvais match-up. On a voulu faire mumuse avec la nature. C'est la morale de cette histoire. C'est vrai. Ouais, mais en fait, on voulait faire comme quelqu'un qui le fait. Tu vois, c'est encore pire du coup. Quelqu'un l'a fait, on a voulu copier, mais nous on n'a pas les secrets de Polichinelle. Mais non. RIP. Pouce bleu, commentaire, partage maintenant tout de même, parce que la vidéo était sympa. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Val&PL Magic Arena Fr. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.